Tiacola, t'as un titre de Tiacola? Bien sûr, un petit tour à la maison, en Vendée ou en Normandie. C'est ça, je crois, à la base. Et SDM, t'as un titre de SDM? Bien sûr. Volume Vautavon. Volume Vautavon. Tu l'as pas? Ouais, bien sûr. Attends, SDM? SDM. Moi j'ai fait un live avec SDM, bon gars par contre. Jure, c'était quel live? C'était chez Douag, en jeu de foot, un truc, j'ai oublié le. Cette anecdote est vraie. Oui, elle est vraie. Bon gars, en vrai, très bien, mais par contre, voilà, je suis désolé, SDM, je peux pas écouter. Mais c'est pas. T'as pas besoin d'être désolé, c'est comme quelqu'un qui aime pas le saumon. Il va s'excuser de pas aimer le saumon. Ah ouais, ah ouais, moi, c'est honteux de pas aimer le saumon. Franchement, moi je prends un saumon tous les matins et je lui dis, mec, je suis désolé de pas t'aimer, j'aime pas le saumon, j'aime pas ta chair. Aucun goût n'est honteux. Si, si, il y a un goût qui est honteux. La truffe. Oh, pas du tout, mais quoi? Non, ceux qui aiment la. Eh, hey, t'es mais d'accord? Il y a un problème, c'est la vraie truffe ou la truffe de synthèse. La vraie truffe. La truffe de synthèse, ça pue le sperme. Tamar, présente Tamar. C'est quoi le concept aujourd'hui, Très très juste. Ouais, mais un poil agressif. Ah ouais? Plus doux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, on compte sur vous, les frérots. On va commencer par un bonsoir, mais un bonsoir soft. Okay. 3, 4, bonsoir. Bonsoir. Tout le monde, on espère Paris. Que vous êtes très heureux. Aujourd'hui, un énorme concept que David va se faire le plaisir de vous détailler. On a beaucoup travaillé pour ce concept, l'équipe et nous-mêmes, on est très fiers. On va vous le servir. Avant ça, on voulait juste dire qu'Inox Tag est avec nous et qu'on est très heureux. Mais je suis heureux de venir dans vos nouveaux locaux et tout, ça fait trop plaisir. C'est la première fois qu'on fait une vidéo juste tous les trois. C'est vrai, j'ai hâte de découvrir ce concept que vous avez pris du temps à concocter. En gros, ça s'appelle IA ou pas IA. On a créé des chansons, des musiques. Il y en a 10 en tout. Certaines sont générées par ordinateur, par des IA, et d'autres, pas du tout, ce sont les vrais artistes qui les ont chantés, ce sont des reprises. Quand on parle d'IA, c'est donc intelligence artificielle, il y en a. Les plus hype le savent, là, les plus connectés, mais c'est concocté par un ordinateur sans aucune participation. Par exemple, je peux prendre la voix de Carlito maintenant et je le mets sur tutut oui oui avec son gros taxi. Et là, c'est toi qui vas le faire, c'est ta voix sur tutut oui mais oui, du coup, oui, c'est pas une IA. Du coup, ça, précisément, là, c'est l'inverse du IA. Alors, écoute, non, mais tu sais qu'on t'adore, la plupart des gens qu'on reçoit, on les adore, mais il n'y a rien de plus confusant pour les gens. Qu'est-ce que tu viens de faire? Non, plutôt, l'exemple Mais c'est dingue. Mais je lui ai niqué son expérience. L'exemple qui a beaucoup tourné. Mais non, mais après, oh non, tu peux pas faire ça. Ma transition, elle est fermée là. Angèle Gazo, au revoir. Je veux pas que tu tombes amoureuse, tu as essayé de l'art, d'un cœur du cœur. Angèle n'a pas vraiment chanté cette chanson, ça a été généré par une agence d'intelligence artificielle. Voilà. Et d'ailleurs, Angèle a chanté cette chanson en live. Donc ça veut dire à quel point c'est important. Ça, c'est l'IA. Il n'y a pas d'humain. De l'autre côté, on a contacté des vrais artistes humains dont le métier est de chanter. Et on leur a demandé d'enregistrer une chanson pour interpréter... Une reprise. Une reprise d'une chanson existante qui n'est pas de leur catalogue. Genre Gazo. Trouve un autre exemple que Gazo. Ouais, ouais. Il ne dit pas Gazo qui reprend Angèle. Mais Gazo qui reprend Petit Papa Noël. Ok, c'est bon. Voilà, le monsieur qui a fait Angèle, qui a carrément buzzé, qui a 8 millions de vues à l'heure actuelle, qui est super bien fait, il s'appelle Hélène Kay. Sa chaîne YouTube, elle est là, abonnez-vous. Donc on l'a contacté lui pour faire ce format-là. Comme ça, on lui a dit, il faut que tu nous analyses le truc, comment on le fait, pour qu'il le fasse hyper bien, parce que le principe, encore une fois, si vous ne savez pas, c'est que les IA sont tellement bien faites que c'est à s'y méprendre. Il parlait avec un gros vocabulaire. Oui, mais je note, alors à voir si c'est condescendant ou un peu fraternel et voir un oncle qui t'aime bien. Je te dirai avec mon visage. Et qui t'écrit régulièrement que ton vocabulaire s'améliore quand même. Condescendant de ouf. Je m'attendais à dire que ton vocabulaire pue sa mère. C'est pas non plus. C'est fou. Mais non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai que ça se répète beaucoup avec hé hey, frère, gros, hé hey, mec, gros frère. Les frérots, gros, wesh, c'est bon, j'arrête. Dans la vidéo, t'en dis plus? J'en dis plus. Oh. À non, chaque fois que tu diras frère dans cette vidéo, tu donneras 10 balles à quelqu'un de l'équipe. Ça marche. Ok, frère? Ouais, mon pote. Mon camarade. Mon collègue. David et moi sommes parfaitement au courant et quelques-unes des personnes dans l'équipe de ce que vous allez écouter, il a excellé. Franchement, c'est assez méprendre comme tu l'as dit, franchement. Là maintenant, on va faire rentrer des abonnés parce que toute cette vidéo, c'est aussi pour régaler des abonnés car elle est sponsorisée par Boulanger et non pas le petit monsieur Boulanger qui fait la brioche, le quoi. Le pain, ouais, vas-y frère. Ah ouais, de ouf, frère, mon pote. 10 balles. Oh oui, 10 balles. Attends, je vais noter. Attention, pause tout le monde. Comment tu te sens pour l'Everest? Une réponse immédiate et rapide. Hey, je suis hype de fou. Super. Boulanger, donc, non, mais il y a eu un frère. Note un frère. 10 balles, voilà. Ah non, mais tu vas vraiment noter? Évidemment, je note. Boulanger qui nous a accompagnés sur Bizneuil. Ah ouais, donc. Bizneuil, alors, je vais le dire vite fait. Oui, parce que, oui, mais c'est bien. On a eu une bonne nouvelle récemment. Bah, la Croix-Rouge est en train et a peut-être trouvé la famille qui va vivre dedans voilà. Pour quelques temps au moins. Et c'est assez touchant. Mais on aura l'occasion de vous en reparler, donc ils nous ont accompagnés sur Bizneuil. Et ce soir. Bizneuil, tête de deuil.
ça m'a eu, ça m'a bien eu. Bien fait aussi, celui qui rigole dans la vidéo a des blagues de merde, il donne 10 balles. Ah, mais ouais, allez, là, 10 rigolo. Balles pour allez, 10 balles. Boulanger nous suit depuis longtemps et là, il nous suit pour cette vidéo qui est un peu dans l'esprit de Noël. D'ailleurs, vous voyez, le studio a été redécoré pour Noël. Et là, aujourd'hui, on va régaler des abonnés parce qu'ils nous ont permis d'avoir plein de cadeaux. Vous allez suivre ça. Boulanger, il y a des cadeaux en ce moment pour toute la famille. Tous les prix sur boulanger.com ou en magasin, on vous encourage à y aller évidemment. Vous pouvez aussi prendre du reconditionné, ce qui est pas mal pour la planète. Juste, je vous préviens que si vous achetez sur Boulanger des choses là pour Noël, vous avez jusqu'au 31 janvier pour rendre échangeables ou remboursables les produits. Et vous allez voir qu'ils ont vraiment été très généreux puisqu'il y a beaucoup de cadeaux à gagner. Il y a des cadeaux par manche. Oui. Plein. Et il y a une gradation, parce qu'il y en a pour tous les budgets. Chez Boulanger, il y en a des petites choses, vous allez voir. Ça peut commencer avec une machine à raclette, mais ça va aller, je vous le dis directement, ça va aller jusqu'à une télé. La télé qui vaut 3000 balles. Il y aura beaucoup de choses à gagner. Et avant 3000 balles. Ah mais là là. À préciser que tous les cadeaux que vous allez voir sont retrouvables sur le site internet de Boulanger. Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, en plus, il y aura un concours. Sur l'Insta de Boulanger, il y a un concours pour gagner des cadeaux à peu près identiques à ce qu'il y aura aujourd'hui dans la vidéo pour continuer à perpétrer l'esprit de Noël, je dirais certainement. Donc avant de commencer ce concept et de recevoir tous les abonnés, j'aimerais qu'on fasse un test. Oh. Ah, un ouais. test pour vérifier l'ouïe fine de notre chère amie Inès. On va vérifier si t'as le level. Et comme ça, c'est une occasion pour les gens de bien comprendre la mécanique, d'accord? Donc les frérots, on est ensemble, on va deviner ensemble. Tu n'es pas éliminable. Moi, j'ai taux de chance que je veux. On va te faire écouter une première chanson. Ok. On va dire, et après tu vas l'écouter, et après tu nous donneras ta réponse. Non, d'abord je dois écouter, après vous dire c'est quoi l'artiste, non? Non, non, ça c'est non, bon. Non, 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 ça, t'as même pas besoin de ça. C'est pas un blind test dans ce sens-là. Ah, c'est juste IA ou pas, ouais. On s'en fout le nom du titre. Tu viens de comprendre, là. Et ensuite, après la chanson, on te laisse 5 secondes juste pour choisir vraiment ton camp de manière définitive. Donc je me lève là. Là ouais, je pense ouais, que tu peux. Okay. Notre chère amie Louane qui chante Grenade, la grenade de notre chère amie Clara Luciani. C'est parti. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme? Elle est mortelle hein. Putain, c'est dur. Ah oui. Regarde, sous mon sang la grenade. Sous mon ouais, c'est dur, les gars. Eh, hey, c'est dur, hein. Mais comment on devine? Sous mon sang la grenade. J'ai fait mon choix, moi. Grenade. Putain, non, c'est vraiment dur, les gars. Ton choix. 5, 4, fais ton choix. 3, 2, 1. Alors, ton choix. Il est pas sûr. Donc, c'est trop dur. C'est magnifique. Non, là, vraiment, c'est dur. C'est un témoin de notre époque. C'est intéressant. C'est trop intéressant. Ça veut dire beaucoup de choses, effectivement. Est-ce que j'ai fait le bon choix? On va faire un petit décompte, Ellie. Et après, le bon camp s'allumera. Le mauvais camp s'éteindra. Okay. 3, 2, 1. Yes! Bien, ouais, bravo, let's go! Bravo. Let's go! Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie alors? Franchement, tu sais comment j'ai trouvé? Il y a un moment, il y avait une note où il y a eu le petit truc de l'IA, je me suis dit. Ah putain, c'est bien, il est fort. C'est marrant ce que tu dis parce que oui, c'est vrai, mais attention à ça pour aussi les gens qui vont jouer. On a demandé évidemment à Hélène Kay, qui s'est occupée de faire tout ça, de robotiser, quand c'est le cas, des vrais artistes. Okay. Pour pas que ce soit trop voilà. clean non plus. Okay. Donc attention à pas trop se fier à ça, il y a des pièges. Il y a des pièges. Mais je note. Mais c'est que... exceptionnel. Et oui, c'est merci, exceptionnel. Voilà. Je t'avais dit ou pas? Je t'avais dit au téléphone. Mettez un pouce bleu parce que c'est exceptionnel. Allez, ça fait très plaisir. On va faire rentrer les abonnés sans les faire plus attendre parce qu'ils ont envie de gagner des cadeaux et on a envie de les recevoir dans le studio. On est parti? Ouais. C'est très bizarre. Bonjour. Double check. Salut. Tout le monde fait double check. Ça va? Salut, bienvenue. Merci, ça va? Bonjour. Bienvenue. Ça va? Bonjour, bonjour. Merci à tous et à toutes d'être venus. On est trop contents que vous soyez là. Comme je vous ai dit en off, mais je redis pour les gens, vous avez très bien choisi votre tournage. Parce que les plus malins, les plus doués d'entre vous vont repartir avec énormément de cadeaux puisque vous les accumulez chaque fois. On rentre dans le vif du sujet, on est parti. Premier cadeau. Premier cadeau, oh. C'est parti. Ouais, les gars, ouais, les gars, let's go. Quoi, merci. C'est une machine à raclette. Elle est originale. Elle est originale et elle a un truc, c'est que tu peux les pluguer entre elles. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais ce truc où t'as une grosse machine à raclette au milieu et tout le monde prend son caclon et t'as plus de place. Là, elle est pour Watt. Et oui, c'est tu la branches avec les potes, tu peux en mettre 6 ensemble. Oh la machine chacun... classe. C'est pas stylé, c'est ça. C'est pas mal. Et là, voilà. Boulanger, il commence bien, il régale bien. Donc là, chacun de l'équipe gagnante ici repartira avec une machine à raclette. L'artiste, on l'a reçu. De toute façon, on connaît beaucoup de gens dans le game. Attention, un petit conseil, ne vous dites pas. Non, ça, ils sont pas capables de le faire. C'est pas possible qu'ils aient fait ça. Un petit conseil. Nous écoutons Caris qui chante « Je l'aime à mourir ». Si vous êtes prêts, chers abonnés, dites « J'ai lu ce livre, mais je n'ai pas tellement compris ». J'ai lu ce livre, mais je n'ai pas tellement compris. Je rêve que ça soit vrai. Mon
rêve si c'est vrai. Écoute bien. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Ah, il se place déjà. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Il n'y a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire. Ah, il y a un vrai parti pris là. Frérot, je suis seul au monde. La vidéo elle est finie là, sinon. Eh, ça veut dire que je suis le seul gagnant. Regardez bien. Ah, en vrai, ça s'entend quand même. Hein. Eh, je prends le risque, je suis tout seul. C'est votre dernier mot, c'est sûr? Sûr et certain? La vidéo peut se terminer. Tout de suite. La réponse dans 3, 2, 1. Bravo, évidemment. En vrai, je savais, c'est juste. Voilà. Ouais, merci, c'est bien, merci. Merci. Ouais. Bravo, putain, vous avez pas tellement hésité, ouais. Vous avez pas hésité, mais après, on a commencé évidemment très simple. Carrie, oui. C'est très connu pour être beaucoup repris en IA sur internet. C'est ou vrai, c'est juste. Bravo, vous obtenez tous la machine à raclette. Léna, deuxième cadeau. C'est quoi? Alors, c'était un pack gamer. Bravo, Léna, on peut applaudir. Uniquement chez Boulanger, moins de 100 euros pour clavier, casque et souris. Je vais annoncer tout à fait le prochain. Attention, les pièges sont partout. C'est trop bien. Encore une fois, quelqu'un qu'on a reçu, qu'on aime beaucoup. Qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup évidemment. Adèle Castillon qui reprend 911 de Damso. On écoute. Tombez là. Bravo. Celle-là, celle-là, elle est vraiment très très stylée. Je me elle la sorte celle-là, c'est mortel. Mais je viens avec vous les frères. J'adore cette version. Ah oui. Ouais, ça sonne trop bien pour que ça soit ça sonne trop bien. Hein. Tout le monde a choisi? Oui. Vous êtes sûr? Pour plein de raisons, ça peut être gênant pour nous, mais personne veut changer d'avis. Hein. Ce qui est bon, allez, elle est pour vous aider. Si vous la révélation de IA, pas IA, c'est dans 3. 2, 1. Bravo! Franchement, ça sonnait très bien. Je crois qu'un gangster est tombé là. Boulanger, ça régale là. Imagine 16 télé. Mon rêve, 16 télé. Vous êtes donc 98 à avoir gagné. À remporter un pack gamer. Ça fait un peu beaucoup, Boulanger, on n'avait pas prévu ça, mais en même temps, ils sont très forts. Ou alors, le concept est trop faible. Ouais. Alors, à vous de décider. À vous de voir. À vous de décider. Cadeau suivant. Voilà. Voilà, oui. Mesdames et messieurs. Le prochain artiste, c'est Black M. Et la chanson, c'est Vive le vent. Oh. Un vieux monsieur s'avance avec sa carrière. Oh là, ça va être dur. Là, là il va être indécis. Ouais, ça se voit. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en le va l'hiver. Dans les grands sapins verts. Oh, boule de neige et jour de l'an. Et bonne année, grand-mère. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. 3, 2, 1. C'est intéressant ce qui se passe. Je vais perdre avec vous les amis, sauf que moi j'ai pas de cadeau. Alors, je tiens à préciser qu'il y a eu quelque chose d'intéressant. Vous étiez tous en IA, qu'est-ce qui vous a fait switcher? Il y avait ces tonalités. Ouais. Oui, ouais. C'est mais il a fait un petit A, puis on dit que c'est lui qui l'a fait. Ouais, ouais, c'était vraiment ouais, le. Vous pensez qu'on a contacté Black M et qu'il aurait fait ça pour nous? Ouais. Et vous pensez que c'est un ordi? Non, non, moi je pense que je suis comme eux, mais c'est pour les... Ouais. Qui a recréé la voix de Black M, c'est ça? Exactement. Vous imaginez que si vous avez raison, c'est incroyable ce qui se passe. Ce serait un braquage. 3, 2, 1... Bye bye! Frérot, et effectivement, Black M qui a accepté de faire ça pour nous. Petite fois pour vous, chez vous, qu'on en parle. Alors, McFly et Carlito, oui, c'est moi, ce n'est pas une IA. Le morceau est bien enregistré. Je veux mes droits
Je veux plein de choses, mais on en parlera hors caméra. Voilà, bisous. Eh, hey, il est ingé son, il a demandé un stage, mais vous lui avez jamais répondu. Ah. Eh bien, enfin, tu repars quand même avec un appareil à raclette, déjà, et avec un pack gamer. Merci, désolé. Avec grand plaisir, c'était très bien. Bah, vous repartez pas au moment où il m'invite. Tout ce que tu veux. Jeanne qui vous adore et qui sera très contente de voir mais sa mère perdre. Comme génial, d'habitude à mais tous les jeux. Merci les gars. Hop, je t'enlève ta montre au passage parce que je suis là, mais je suis un super bon voleur. Voilà. Hop, salut. Ma montre. Ouais, non mais les gars, je sais pas où elle est. Les Nakano. Oh. Oh. Alors ce n'est pas un foie gras, non? Ce n'est pas un foie gras, j'ai entendu ça. C'est curieux que t'aies mis une enceinte dedans, mais regardez, c'est un petit ruban. Ouais, voilà. Et vous l'avez, non mais vous lancez, on vous a dit. Non, c'est ça qui vous... Bah alors, vous allez gagner une enceinte JBL, ouais. Mais seulement si vous y arrivez. Ouais. Attends, pronostic, moi je veux un pronostic. Combien d'éliminés prochaine manche? Moi je dis 6. 6? 6 éliminés. Moi je dis 7. D'après toi, 7 éliminés sur SCH, je t'emmène au vent? Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus les gens. Et je voudrais que tu t'appelles. Notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu t'emmènes. Ouais, c'est baisé. C'est baisé, il est incroyable. Allez, Paul. Et je voudrais que tu t'appelles. Non, c'est éternel, les remix, c'est exceptionnel. Artificiel. Le son est pas... Est pas non, lourd. Le son est lourd. Le c'est son pas est une dinguerie. Le son est lourd. Le vous son devez lourd. Bloquer les positions car 3, 2, 1... Terminé. En espagnol, le décompte. En el decompto es 3, 2, 1... Et... Si. Aïe, 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 les gars. Alors, on peut les applaudir, malheureusement. Mais, enfin, c'est vrai. Qui est la demoiselle qui a sauté? Mais toi, mais bravo, toi! Ça, c'était très smart, très intelligent. Laissez-moi vous rappeler que l'équipe qui est ici a gagné une machine à raclette, un pack gamer, un Polaroid et maintenant, merci. Une enceinte JBL. Eh bien, Mathéo et Mohamed, désolé. C'est qui, Mohamed? Ouais, t'inquiète. Merci beaucoup. Pardon, mais comment t'avais connaissance des prénoms, du coup? Parce que moi, je m'appelle vraiment Mathéo. Non. Jure! C'est totalement vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'est ah, on savait pas du tout. En plus, j'imaginais que c'était toi et lui, moi. Et toi, tu t'appelles comment? Jérémy. Bah, Jérémy Mathéo, merci. On vous laisse sortir. Bien joué, les gars. Et merci beaucoup. Quel remix. Oh là là, c'est ambiancé. Ah ouais, en Zumba. Donc elles seront sorties, on va les sortir soit sur notre chaîne secondaire, soit en short, en TikTok. Évidemment. Ah, vous allez les mettre les bah, musiques ouais, ah, les quand mettre. Même, quand même. Faut les rendre disponibles. Ah bah oui. Combien d'éliminés en tout? 6 Non. 5. 5 éliminés sur combien au total? 16. 5 sur 16. Il reste 11 personnes. Il reste 11 personnes en liste. Bravo à toi, Inox. Bah, alors, par contre, vous voulez que je vous fasse un truc, les gars? Faites-moi une multiplication. 8 x 7. Non, c'est pas ça la stade. Non, fais-moi un truc divisé par 50. 1050 divisé par 50. J'ai plus la technique. Mec, c'est là. Mec, j'avais une technique, mais je l'ai plus. Donc les frères, vas-y, on switch. Oh, frère, il a dit frère. Non. Il y a une strat, hein. Je vous jure, non, il y a une strat. Non, mais la strat, c'est Inox qui nous le dit que, quand il retrouve la strat. Ok, vas-y, dans 3-4 jours, je vous explique. Parce que vraiment, je l'avais, la strat. J'ai ma strat, j'étais dans mon lit avant de me coucher, là. La strat, c'est quoi? Si tu me dis, par exemple, 50 divisé... Par exemple, si tu me dis 91 divisé par 5, ça fait combien? Léna! Oh! S'il te plaît, je peux l'avoir! Mais mec, tu peux l'acheter, toi! Non! Mec, il suffit que t'ailles chez Boulanger, tu l'achètes! Les amis, où est ça, là? J'en ai besoin! Bah, là, c'est alors, pour... En vrai, oui. Oui. Attends, je vais demander. On va demander quand même. Excusez-moi, l'équipe Boulanger, Inox est OK pour faire une story? Ah non, non, non! Ah, non, non. Alors laissez-moi vous présenter ça sur un ton un peu noble et un peu exaspéré. C'est une platine vinyle pour écouter quoi? Des vinyles, des 33 tours, des 45 tours, vous choisissez. Ça marche aussi pour être DJ épreuve. Kick, wick, kick, wick, wick, kick, wick. Prochaine chanson, vous êtes chaud toujours? Ouais. Non, 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 vous êtes chaud toujours? Ouais. Eh, mais j'ai remarqué un truc, vous avez pris des objets en rapport avec la musique. La raclette, la raclette, la fameuse raclette musicale. La fameuse raclette de caresse. 70 là, divisé voir. Par 50. Je te le dis dans 3 jours. On écoute cette fois-ci notre grand ami Joyka. Grand ami. Oh. Grand ami. Qui reprend la chanson Flou d'Angèle. C'est Joyka Jordan? Non, c'est Joyka Ulrich. Le fameux youtubeur, tu sais. On connaît tous la pression. Tu
tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai. Tout le monde te trouve génial alors que t'as stylé aussi, hein. Tout est devenu flou, un peu trop fou. J'aime ce qui se passe, car les amis, vous devez choisir dans 3, 2, 1... Oh, le show. Les amis, la question est la suivante. Est-ce que Joyka, notre tendre ami avec qui on fait beaucoup de vidéos, nous l'avons contacté? Ou exactement l'inverse? Peut-être que nous avons volontairement choisi une EA pour vous, Brain. Il existe des voix de Joyka. Ça aurait été très facile à reproduire, effectivement. Chers amis, après un petit décompte en allemand... Si, dry. Ah, tu l'as, Blanche, blanche un petit... tu veux... Viens. 3, 2, 1, 0. Oh! Ah, bon, let's go! Oh! Là, ça se réduit fortement, là. Eh oui, c'était bien moi qui chantais ça. La preuve, j'enlève tous les effets et ça donne ça, la prise originale. On connaît tous la pression. Tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Bravo, équipe des parieurs, vous avez géré de ouf! Bravo! Elle me regarde, il y a de la haine et en même temps de la joie. Voilà. Juste sachez que toi, tu as sauté au dernier moment, on a le ralenti. Pourquoi t'as fait ça? Des fois, quand il y a quelque chose d'évident en face de nous, oui. Je trouve que le comportement humain, c'est d'aller vers l'inverse. Viens me voir dans la rue, on me dit, tiens, 5000 balles, je ne prends pas. Tu vois, oui, bah exactement. Moi non plus, je ne les prends pas. Ouais. Non, mais c'est un peu le problème. Ouais, moi aussi, mec. Sachant que toi, tu fais du rap ou tu produis? Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la musique, je m'appelle Benda. J'ai fait du rap TikTok. J'ai absolument intégré l'équipe de McFly Carito. Du coup, je suis allé passer par le Parisien. J'ai interviewé Thomas Pesquet. J'ai demandé à Thomas Pesquet le contact pour McFly Carito. J'ai ensuite envoyé un mail de McFly Carito qui est hyper long en disant que c'était mon rêve d'intégrer leur équipe. Ensuite, je n'ai pas eu de réponse, mais je respecte très fortement ces deux humains qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Voilà. Mais mec, c'est encore plus génial que tu sois là aujourd'hui et que tu fasses la promo de ton art en fait. Oui, c'est vrai. J'ai cru que t'allais dire c'est génial que tu sois éliminé. Merci beaucoup d'être venu. Merci, désolé. Le prochain cadeau, s'il vous plaît. Alors ça... Ça, c'est le bonheur. Kukeo, Kukeo, Kukeo. Donc, tu connais ou pas? Non. Alors ça... C'est une riseuse. Une riseuse. Une riseuse, c'est super. Et c'est quoi le but, alors? Il t'explique toute la marche à suivre. Il te dit, tu mets ça, là. Et tu mets ça aussi, et t'en mets dans cette quantité, et je te cuis ton plat. Ah, mais tu mets dans une poêle et ça fait pas. Non, pour le coup, non. Si tu veux faire un gâteau, donne toute la liste des ingrédients, tu mets tout dedans, ça cuit, ça te ressort un gâteau. Mais ok, mais si je veux faire des pâtes à la bolognaise. Tu peux faire un ragoût bolognaise qui est cuit pendant 4 heures, par exemple. Voilà. C'est-à-dire, je prends les pâtes, je mets la bolognaise, je mets la viande, et la sauce tomate, et je fais plus rien. Voilà. C'est vrai que là tu cites un plat quand même. Est-ce que je peux faire un melon au Kukeo par exemple? Bah non, ça faut le prendre dans l'arbre. Évidemment, oui. Frérot, il est à l'ouest, hein, tout poteau. Voici la liste de tout ce qu'on peut faire avec la Kukeo et là, la liste de tout ce qu'on peut pas faire avec le Kukeo. Excusez-moi, je le dis avec l'accent de Jane Birkin. Jane Birkin, s'il te plaît. Le prochain chanson, c'est le Vianney sur les chansons de Nino Le Vicomène. Oh. J'ai hâte de voir. Et vous, chez vous, jouez chez vous. Et vous jouez chez moi aussi, venez chez moi, je vous prie. J'irai au ciel rejoindre Ipkiss, le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, si que je cours derrière les milliers. Wow, 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 wow. Pardonne-moi si je suis pas là, si que je cours derrière les milliers. Wow, 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 wow. Pardonne-moi si je suis pas là, si que je cours derrière les milliers. Attendez, Inox, t'es choisi? Moi, je bloque ma décision. Est-ce qu'on part tout seul? Non, mais si on a raison, c'est très bien fait quand même. Vous estimez que c'est un ordinateur qui a créé cette voix? Ouais. Et qu'on n'aurait pas contacté Vianney? Eh, regardez, qui n'aurait pas pris du temps la pose du vainqueur. 3, 2, 1... Vous ne pouvez... Let's go! Let's go! Bon, ça va, tant mieux. Je l'avais dit! Oh, c'est mon sou! Mais toi, c'est incroyable, toi, par contre! Je ne savais pas! Ah, mec, t'as été un monstre, t'as été un monstre! Let's go! Deux doigts, j'ai changé au dernier moment, putain! Bravo, je prends tous les cadeaux! Attendez! Preuve chez vous que c'est bien Vianney qui nous a fait l'honneur d'enregistrer cette chanson malgré tout ce qu'il a à faire. Vivi, merci de ouf pour ça! Garde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, si tu cours derrière des milliers. En plus de Vianney, il nous reste 3 chansons et il reste des cadeaux colossaux en vérité, offerts par Boulanger. Moi j'ai une idée de fou malade, vas-y. Ok, je suis tellement fort
que si je vais jusqu'au bout, ils gagnent tous les cadeaux. Et si je perds, eh ben ils s'arrêtent là. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Moralité pour tous les abonnés qui joueront aux deux, parce que je pense qu'on fera un épisode 2. Ne vous suivez pas trop, et dans la vie en général, soyez unique. Pour récapituler ce qui se passe, officiellement c'est terminé. Je dirais pas qu'on a gagné, c'est pas ça que je veux dire. Non mais en gros, il restait 3 chansons. On va en regarder pour un épisode 2 si ça vous intéresse d'avoir un 2, n'est-ce pas? Voilà, les amis, s'il y a 222 000 pouces bleus, et bah il y aura un épisode 2. On fonctionne pas trop comme ça, mais si tu veux. Ah merde, mais comme il est là, ouais, c'est différent. Oui, vas-y, comme c'est toi. Comme je suis là, au moins, je peux faire ça sans que ça soit bizarre. Quoi. Mais là, on en a une dernière à faire écouter. On va dire que c'est une manche bonus sur une très bonne idée d'Inox. On va faire revenir les 5 finalistes. Ouais. Et tu vas jouer pour eux. Léna, cadeau. Ah, c'est bon, c'est un dinosaure ou quoi? Les amis, qui va gagner cette merveilleuse télé? Ouais, ouais, ouais. Bien, on va la mettre au fond. Bien. Là, c'est OLED, c'est 55 pouces, les amis. Eh, hey, c'est une télé à LED. J'ai failli la faire. Mais pourquoi tu lui sers la main là-dessus? Parce que j'ai failli la faire. Mais c'est nul. Blague nulle, bien wesh. Il a ri. Hillary Clinton ou quoi? Allez. Donc. Il a ri aussi à Reggaeton. Mais c'est pas vrai. Non. Je sais même plus. On accueille les finalistes. Voilà. Checkez-moi bon, ça. Vous pouvez gagner la télé, hein. C'est Inox qui vous représente. S'il gagne, vous avez une télé chacun, elle est derrière vous. S'il perd, rien et petit malaise. Bah, franchement. Inox, tu joues pour eux. Je joue pour eux. C'est pour ça que je me focus là, parce que je serai à leur place, j'aimerais gagner la télé. Un petit peu de suspense, les amis. Tout le monde fait un petit roulement de tambour, mais léger. Pat, Rick, Sébastien, papa, où t'es? Ouais, ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? 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 C'est bâtard de la jouer sur la dernière avec celle-là. Et vous voulez pas qu'il gagne, hein, vous êtes vraiment pas gentil. Donc, moi, là, j'aurais mis que c'est une voix IA. Comme je connais pas Patrick Sébastien, c'est pour ça que je me serais mis dans le côté IA. Après, il y a des notes qui fait que je me dis que c'est pas une IA. Mais comme je sais que le frérot qui fait les IA, il remet sa voix par-dessus pour faire les bonnes notes, c'est ça qui fait que ça rend bien. Donc, c'est compliqué. Je connais pas assez Patrick Sébastien pour me dire est-ce que c'est pas une IA et tout. Patrick Sébastien, c'est celui qui pète, il trouve son slipper. Alors non, ça c'est... Ça, c'est une parodie. C'est une parodie de Patrick Sébastien, mais une bonne parodie. De Cartman. C'est plutôt celui qui fait... Ah, qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte, chante les salles. Ok, ça c'est lui alors. Mais lui, c'est un ancien de fou malade, non? Et franchement, si vous avez ramené Patrick Sébastien pour faire ça, c'est carré. Est-ce que tu penses? Toi, t'adores parce que tu sais quoi? Les phrases que je dis, c'est parfait pour ton conseil. Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Regarde bien. Regarde bien de quel côté je vais aller pour bien te niquer les télés. Là, j'ai analysé ta réaction. Là, ouais, t'es content parce que j'ai dit ce que tu voulais dire. Ouais. Oh, la masterclass, si t'as ramené Patrick Sébastien, c'est une masterclass. Et je vais aller là. Et là, tu vas dire, oh non, mais ils ont vraiment ramené Patrick Sébastien et on va se rendre compte que vous avez vraiment ramené Patrick Sébastien et ça sera une masterclass. Mais si vous n'avez pas ramené Patrick Sébastien, bah du coup, c'est pas une masterclass le concept. Et du Inox, coup, tu cutteras cette tu séquence. Tu dois faire ton choix dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok, donc, Inox a fait son choix. Avons-nous contacté Patrick Sébastien? Pas de Seb qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Bonne question que j'ai entendue, vous auriez dit quoi, vous? IA. C'était mitigé, quand même. C'était mitigé. IA, pas IA pour Patrick Sébastien, papa ou gars. Inox a-t-il été incroyable sur ce coup-là ou alors vraiment synonyme d'une défaite cuisante? Et un flop, ça s'appelle? Un flop. 3, 2, 1... Oh yeah Je vous jure que je suis au courant de rien. Et je lui ai pas dit, on lui a pas dit en off, y'a pas eu de truc. Juste, j'ai joué en mode, j'ai tout analysé. La vision. J'ai joué ma vie là. Très belle vision. Normalement, je serais allé là. Ouais. Après, j'ai fait exprès de dire une phrase pour voir la tête. Ah merde, ta tête. Bon. Et là, j'ai vu que t'étais en mode, ah le bâtard, il m'a niqué. Là, je me suis emplé. La preuve tout de suite que c'est bien Patrick Sébastien qui a accepté de faire la voix de sa pensée. Bon, salut les copains, Carlito et McFly. Hey, c'est moi qui ai chanté. C'était pas une IA. De toute façon, j'aime pas ce qui est artificiel et l'intelligence.
l'ai revendu depuis très longtemps. Vous gagnez chacun un téléviseur absolument génial. Comme ça. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez dire quelque chose avant de partir? Je suis photographe sur Paris. Et en gros, j'aide les femmes à se réconcilier avec leur image d'elles-mêmes à travers la photographie. Un rapport à la confiance. Exactement. Génial. Et tu as un compte Instagram, quelque chose oui. comme ça pour ton travail? IC Photographeur 4. Le mauvais compte Insta s'affiche là, et là, le bon. Mets un micro imaginaire, s'il te plaît. Ok, alors moi, c'est Félix. Je suis aussi de la photo, de la vidéo. Donc mon compte, c'est Félix-Walt et Walter Picture pour la photo. Donc voilà, si vous êtes sur Paris. Comme Disneyland, là. Wow. Enfin, Disney. On vous laisse repartir avec cette télé. Merci, bravo. On voulait bien joué, bien joué l'équipe. Télé OLED, hein, ne l'oubliez pas, c'est très bien. Une télé OLED qui a des spécificités. Déjà qui est très légère parce que... Télé OLED, très légère, écran plasma, film. Très fine. Très légère, attention. C'est la TV la plus haute gamme de chez Sony. C'est la TV la plus haute gamme de chez Sony. Elle a été élue meilleure TV 2023. Elle a été meilleure TV 2023. Eh, mais je suis pas payé moi pour faire la promo là. Par la presse spécialisée. Elle est ultra connectée et dispose de toutes les plateformes de streaming pour un maximum de... Bien sûr. Tout est dit. En vrai, tu sais que t'as géré, hein. Ah mais les gars, tu sais que la dernière là, c'était la strat, hein. J'ai tout analysé, hein. En vrai, dans ma tête, je me disais, pourvu qu'il change d'avis, c'est peut-être ça que t'as ressenti. Si vous avez envie d'un épisode 2... Et je m'auto-invite pour l'épisode 2. Mais... Ah ouais, t'es vrai, tu veux faire le 2 toi. Tu as une montagne à grimper. Oui, c'est sûr. Annule. Viens, annule l'Everest. Ouais, tu sais quoi, si vous me demandez comme ça... Ok, allez, on annule. Franchement, c'est pas comme si je m'entraîne depuis un an. Non, franchement, ouais. Encore, merci à Hélène Kay. On vous remet sa chaîne ici, il a fait un taf de dingue, il a retapé toutes les prods, il a généré des nouveaux modèles de voix IA, il a reçu le voix, il les a modifiés aussi, enfin, c'est assez énorme. Merci à tous les artistes qui ont accepté de se donner. C'est vrai, c'est ouf vrai, quand même. Adèle, Vianney, Joyka, Pat Seb, j'en oublie un, Black M. Merci à Boulanger d'avoir été si généreux. Ah ouais, là, franchement, là, vous avez régalé tous les cadeaux qu'on a offerts dans cette vidéo, vous les retrouvez sur le site internet boulanger.com et pas boulanger.gouv. Vous êtes beaucoup à faire l'erreur. Ah oui, plein, ouais. Ça n'a rien à voir. Et donc, il y a l'Instagram. Description, il y a un concours très bientôt avec le genre de cadeau qu'on a fait gagner ici, à gagner aussi sur leur Instagram, vous allez voir ça. Merci Boulanger, merci LFK, merci Inox, merci l'équipe. Fin de vidéo. Non. Déjà. Ah oui. Je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus les gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, pas artificiel, je voudrais que tu t'emmènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais...